Bon après-midi! Eh oui, parce qu'aujourd'hui ça commence tard, 15h43. J'ai le tard, j'ai bien dormi. Encore ça. Ouais. Donc hier, ça l'a avancé, mais ça l'a pas trop avancé. Là, j'y étais en mode mollo. J'ai réussi par exemple à finir le pré-montage de toutes les vidéos. Très content de ça. Donc là, aujourd'hui, je commence le montage. Ça veut dire que je vais aller. La musique, je vais sûrement garder ça pour la fin. Mais je vais aller rajouter toutes les images qui ont rapport à ce que je dis. Il y en a beaucoup qui sont tournées, donc ceux-là, je vais aller les intégrer. Et pour les autres, je vais me mettre un bloc avec une note. C'est la première fois que je vais le faire comme ça, parce que d'habitude, je fais pas des vidéos aussi longues. Mais oui, je vais créer des blocs. Fait que je vais dire, mettons, le bloc 001, ben, il va falloir que j'aille filmer ça. Puis là, je risque d'avoir au moins une bonne cinquantaine de blocs de trucs à retourner. Donc, une fois que quand je vais les tourner, ben, je vais pouvoir le dire au début. Ça, c'est le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3. Puis là, je vais juste savoir exactement où aller le recoller. Faire des blocs pour être certain que j'oublie pas de les remettre. Comme ça va être évident. Ça va être un gros bloc avec une grosse page noire avec un chiffre de marqué au milieu. Donc, je suis certain de pas l'oublier. Ouais. Donc, c'est ce montage-là que je commence cet après-midi. Je vais sûrement continuer en soirée. Je vais prendre ça quand même relax. Hier, je l'ai fini, là, mais je me forçais un peu. J'aurais pu aller juste me coucher. J'avais pas trop la tête à ça. Aujourd'hui, ça va mieux. Un peu mieux. Ok. Yo! À mon poste de travail, de Kleenex et de pastilles. Ah. C'est fou pareil. La COVID. C'est pas la COVID, hein, j'ai testé. J'ai pas encore eu la COVID. Rien de ça que ce soit la COVID. Puis que ce soit juste ça. Pas tout le monde qui l'a de la même façon. Rien de ça que ça soit ça. Puis que ça fasse juste ça. C'est ça que je veux dire. Mais non, c'est juste un rhume. J'ai passé mon test hier. On en pogne tellement plus souvent. C'est à dire que tout le monde fait attention. On en pogne tellement plus souvent que j'ai l'impression que c'est peut-être pas le plus malade que j'ai été. Je suis quand même chanceux, je suis très très rarement malade. Mais là, je sais même pas si quand la dernière fois j'ai été malade, ça fait longtemps. Tabarouette. On dirait que c'est pire parce que ça fait longtemps. C'est peut-être juste une impression. Mais c'est certain que les anticorps, ils travaillent pas fort fort ces temps-ci. Ah! C'est parti. OK! Hein? On va. Tu sais, tant qu'à être là-dessus. Je vais te faire une démo avec. Excuse-moi. Le peu de voix que j'ai. Ben oui, je te fais ça quand même aujourd'hui. Je suis fin. Donc là, moi, ce que je viens de faire, c'est que normalement, je commence toujours par celle en français, mais je sais pas pourquoi j'ai commencé par celle en anglais. J'ai terminé la première partie, le premier chapitre de l'intro, et là, je vais réappliquer ça à celui au clip en français. En fait, en même temps, je vais te montrer. Tu sais, je t'expliquais l'autre jour à quel point. Refaire la même vidéo, c'est pas si long que ça. Donc là, c'est ça. Je viens de le faire en anglais. J'ai des éléments et je vais tout pouvoir les réutiliser en français. Donc, je vais aller copier ça ici. Et voilà. Si tu vois les raccourcis, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de raccourcis.
Si tu regardes là en haut, là, tu vois en ce moment, tu vois les touches sur lesquelles j'appuie en temps réel. Donc, tu as pu voir que quand j'ai dit j'ai fait copier, j'ai fait commande C. Voilà. Donc, quand on s'en vient ici, ça c'est tous mes clips. Donc, là, on a les 41 en anglais et ensuite on a les 41 en français. Donc, je m'en viens ici sur celui en français. J'avais déjà mis un petit quelque chose, mais là, je viens de tout le modifier. J'avais fait un petit montage très rapide, mais je vais recommencer. Je vais faire de quoi? Juste trop rapide. Ça vaut même pas la peine de se casser la tête à essayer de le garder. Je vais coller ce que j'ai de nouveau. La façon que je l'ai enregistré, il y a des parties que comme ça ici au début. En fait, ça, c'est le même clip que tu m'as vu enregistrer au tout début des enregistrements que je t'ai montré il y a quelques semaines. Donc, ça ressemble à ça maintenant au montage. Le son, ça se peut qu'il soit assez mauvais, là. Je vais le mettre fort. Ça sort de mon ordinateur, puis ça va aller se capter dans le micro qui est juste ici, qui capte juste techniquement de proche. Donc, ça donne ce que ça donne, mais anyway, tu vas pouvoir le voir quand le montage sera terminé. Salut, moi c'est Pascal et aujourd'hui on va parler de montres. Mais pas n'importe quelle montre, on va parler de montres de sport et tout particulièrement celle avec un GPS. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai le plus travaillé. Là, tu vois, il vient d'avoir une coupure, mais je parle entre là et là. Hein? Ça, c'est clairement une coupure. Tu la vois pas ici. Tu la vois pas ici sur ma ligne de temps parce qu'elle est dans un. L'autre jour, je te parlais de counter. Dans Final Cut, ça s'appelle un compound clip. Si je double-clique dessus, là, tu peux voir. Le montage qui est fait ainsi, qui contient trois clips. La raison pour laquelle je les ai collés ensemble, là, ça, je l'ai fait là, au pré-montage, mais pour le reste, au pré-montage, normalement, je fais pas ça. Mais bon, c'est la première fois que je monte une vidéo qui est séparée en 41 clips. Donc, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai donné un effet. Si tu vois ici, par-dessus, tu vois, il y a une espèce de zoom out tout le long, là. Si tu regardes. Oh boy. Oh boy. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ça en recule. Ici, là. Fais une observation à. Regarde ici, là. L'espace qu'il y a. Regarde à quelle distance il est. Si je recule au début. Toi, on le voit pas. Donc au début, si on regarde le tableau noir, ici là, le tableau noir, il est collé sur le bout de l'image et quand on s'en vient vers la fin, ben, tu vois qu'il est très, ben là, j'ai ma main devant là, mais tu vois qu'il est comme quand même beaucoup, beaucoup plus loin. Ça zoom out tout le long. Je fais ça pour que ça soit plus. Tu le remarques pas pendant que ça joue, là. Mais ça rend ça plus intéressant, je trouve. Donc ensuite, c'est ça. Les portions qu'en français et en anglais, j'ai parlé comme ça en regardant la caméra. Et il y a d'autres portions que je lisais mon texte tout simplement. Le but de tout ça, c'est que je savais que j'allais mettre des images par-dessus ça. Donc j'avais pas besoin de les apprendre pour les redire. Je l'avais déjà écrit, je pouvais simplement les narrater. Déjà revendu quelques-unes. Dans cette vidéo, je ne vais pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention. Donc, je vais aller coller mes séries de trucs que j'ai faites avant. Ah, tu vois, au début, le premier truc, c'était mon nom. Salut, moi c'est Pascal. Bon, Pascal. Ça me semble. Clac. On va coller ça ici. On va réajuster le reste après. Donc, ça donne quoi? Moi c'est Pascal et aujourd'hui, on va parler. Donc, tu vois, dès que je dis mon nom, je veux que mon nom y apparaisse. Puis là, tu vois, ça dit ici, là, si on regarde ici, ça dit Adventurer et Watch Tester. On va y remettre ça en français. Donc, on va mettre ça aventurier, aventurier, aventurier. C'est autant de misère à écrire que j'ai à parler. Excusez. Aventurier et Watch Tester. On va mettre. Testeur de montre ou maniaque de montre ou
fanatique de montres. Je sais pas. On va mettre testeur de montres pour l'instant. Ça m'énerve, ça. Je suis pas centré. Je suis capable de offset. Voilà, j'aime mieux ça. Ok, ça donne quoi? Salut! Ah, en passant, ces clips-là, ce que je te parlais il y a pas longtemps, là, Motion VFX, ça vient de là. Donc, tu vois, j'ai un paquet de... Si je m'en viens ici, dans... Ça, tu m'as pas vu aller les chercher parce que j'ai repris à partir du modèle en anglais. Mais ça, tu vois, c'est dans M-Title cinématique. Donc, tu vois, c'est plein de titres que j'ai comme ça. Là. J'en ai pris un de la gang. Je me souviens pas exactement c'est lequel. Mais c'est plein de titres comme ça que je peux éditer. Donc, ça, c'en est un que j'ai édité. Moi, c'est Pascal et aujourd'hui, on va parler de montres. Mais pas n'importe quelle montre. On va parler de montres de sport et plus particulièrement celle avec un GPS. Et cette vidéo est probablement celle sur laquelle j'ai le plus travaillé sur cette chaîne-ci. Par contre, la dernière année, j'ai acheté toutes ces montres pour les tester une par une pour pouvoir te faire la vidéo la plus complète qui soit. Et j'en ai même testé plus que ça parce que j'en ai déjà vendu quelques-unes. Dans cette vidéo, je n'ai pas de conseils. Ah, c'est-tu tombé exactement au bon endroit? Non, juste. On dirait. Ah ouais. OK. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai été rajouté, tu vois, par-dessus le moment où est-ce que je parlais. J'ai été... Je l'aurais allongé un petit peu. OK. Je voulais juste que ça couvre un petit peu... Je trouvais que ça finissait peut-être un peu juste. J'ai été à remettre un petit peu par-dessus pour être sûr qu'on ne me voit pas lire. Sinon, on se mettrait à voir ça. OK, donc ici, c'est des vidéos que j'ai été recherchées, que j'ai faites dans mes déballages. Donc déjà là, juste pour rendre ça un peu intéressant, tu vois, ça faisait déjà un gros 31 secondes qu'on voyait juste ma face. Donc je me suis dit, tiens, on va aller, pendant que je parle de montres, tiens, je vais montrer des belles montres comme ça. Je trouve que sur l'intro, ça peut être intéressant. Ça démontre un peu le professionnalisme de ce qui s'en vient. Et par-dessus... j'ai été rajouté le titre des montres qui sont affichées. Je me dis que ça peut être intéressant de voir ça. Si tu te demandes c'est quelle montre, plutôt que je réponde à un paquet de commentaires et disent hey, à telle minute et telle seconde, c'est quoi la montre? Voilà. Donc, ça donne quoi si on l'écoute? Dans cette vidéo, je ne veux pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses faire un choix bien éclairé. Je viens de penser à quelque chose. Ce serait intéressant de mettre un... Dans cette vidéo, je... Là, je vais mettre un petit sound effects là-dessus. Petite animation, là. Je dois avoir de quoi d'intéressant dans... je pense que ce serait dans Statement. Non, ce serait dans... Ça, c'est des kits de son que j'ai acheté. Endurance.
M'énerve, j'ai un bruit en tête. Je me souviens pas d'où est-ce qu'il vient. Je me souviens que j'ai déjà utilisé dans la vidéo de Québec. Ça peut être intéressant, ça, en dessous. Dans cette vidéo, je vais pas te conseiller. Popé, si je le baisse. J'ai entendu quelques. Dans cette vidéo, je vais pas te conseiller. Dans cette vidéo, je vais pas te conseiller un modèle de montre très particulier. Dans cette vidéo, je vais pas te conseiller un modèle de montre très particulier. Dans cette vidéo, je ne vais pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de tout. Dans cette vidéo, je ne vais pas te conseiller un modèle de montre très particulier. J'ai simplement l'intention de faire le tour de toutes les fonctions et les caractéristiques que tu peux rechercher sur une montre pour que tu puisses. Je pense que ça va faire la job. C'est sûr que tu l'entends pas beaucoup. Peut-être si je te déplace vers mon ordi. Dans cette vidéo, je vais pas quelques. Pour que tu puisses faire. Bref, ça juste pour. Tu l'entends mieux quand ça passe pas par. Je vais dire un micro de merde, mais c'est pas un micro de merde, mais c'est pas. C'est un micro de merde pour enregistrer ce que je suis en train de faire. C'est ça, ça rajoute un petit quelque chose là, qui rajoute une présence à tout ça. Intéressant, c'est discret, je suis là, c'est parfait. J'ai oublié ça. Ok. J'ai oublié de mettre le titre sur celle-là, il va falloir que j'aille le refaire en anglais. Ok, donc tu vois, j'ai juste été copier mon titre, je l'ai remis ici parce que c'est la même. On va aller remettre le même effet sonore en dessous. Parfait, donc Garmin Tactics 7. Ah, ça m'écœure. La durée de l'animation est dictée par un pourcentage qui est sur le ça, c'est un truc qui pourrait améliorer. Il est basé ici sur. Bah, je ne sais pas s'ils peuvent. Je sais pas s'ils peuvent l'améliorer, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. C'est peut-être une limitation de Final Cut qui fait en sorte que c'est comme ça. C'est mon impression. Tu vois, j'ai une animation. La vitesse de l'animation est dictée ici. Par contre, quand j'étire le clip, ça ralentit l'animation. Donc là, je dois aller la réadapter. Ouais, faut peut-être être plus 95. Ouais, ok, c'est bon. 95, fait qu'on regarde ça comme ça. Après ça, le clip est là, ça embarque par-dessus, c'est bon. Puis je vais vouloir aller la remettre ici. Sauf que là... je n'aurai pas d'animation, donc je vais aller désactiver les animations. C'est juste le titre qui va rester. Je ne vais pas le faire réapparaître. C'est juste parce que j'ai une coupure qui fait en sorte que quand je parle de d'autres choses, je fais apparaître d'autres choses par-dessus. Puis là, faut que je vois aussi si ça fit. Donc on va regarder ce que ça donne. J'aime les grosses montres avec un gros écran parce que j'aime le look que ça donne et c'est très pratique pour voir la topographie en montagne. Mais je suis très conscient que c'est probable. Bon, tu vois, j'ai dit topographie. Je veux que l'image embarque sur le T. C'est très pratique pour voir la To. Tu vois, mon T il est ici. Je me déplace avec les flèches. Puis là, je l'entends. T'entends-tu le T? Ça, c'est le T de topographie. Donc, tiens, on va les mettre ça ici comme ça. C'est pour voir la topographie en montagne. Mais je suis très conscient que c'est probablement l'opposé de.
puisque recherche quelqu'un qui souhaite courir ou probablement n'importe quelle femme, parce que non, on n'a pas la même taille de poignet. Bien sûr, pour chaque montre que je teste, je fais une critique bien complète et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description pour lire tout. Bon, là, tu vois, elle, va falloir que je l'enlève un petit peu plus vite parce que je veux que... On va recouper encore sur le tu peux fouiller dans la description. Je cherche toujours un petit une syllabe qui frappe pour faire une transition. Je trouve que ça coupe plus naturellement. C'est moins fâchant. Tu sais, j'ai toujours dit que... Je ne vais pas être fatiguant avec ça. J'ai dit, tu sais, les transitions, ça fait très amateur. Il y a des transitions, puis je vais en utiliser des transitions dans celle-là. À certains endroits, quand c'est bien placé, c'est intéressant. Par contre, quand tu veux faire des transitions comme ça, sans transition, hein, quand c'est... Ça rentre d'un coup. Tu essaies toujours de déplacer sur quelque chose pour que ça fâche moins. Donc, on va y aller avec le son. Donc, on va aller sur le tu. Tu vois, il y a eu un moment de silence entre la fin d'une phrase et le début de l'autre. Là, on va aller mettre ça comme ça. Puis là, ça va donner ça. Et plusieurs tutoriels. Tu peux fouiller dans la description pour les retrouver. Mais je te promets ça à la fin de la vidéo. Je te promets, tu verras pour toi. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions de modèles. Bon, on va glisser ça avant. En anglais, je dis ça sur quoi? En ce moment, je veux placer ça ici. Là. Je l'avais placé. Je vais aller voir, je l'ai placé sur quoi en anglais? Ok, je suis là-dessus. On va mettre ça à la même place. Ah, ok. C'est parce qu'en français, j'avais fait un petit truc plus intéressant. Ok. En anglais. Ouais. Ok. En anglais, j'avais peut-être oublié de faire la petite shot d'avoir toutes les montres dans les mains. Je trouve ça quand même intéressant d'avoir ça ici. Je pense que je vais le mettre avant. On va faire un changement. Ok, en anglais, c'est bon. On doit glisser là dans le bas de la vidéo sur la ligne de temps et tu pourras sélectionner. J'ai pris le temps de la chapitrer. Donc, si jamais tu veux voir quelque chose de très précis ou que je suis en train d'expliquer quelque chose que tu te fous complètement, prends ta souris ou ton doigt, glisse-la dans le bas de la vidéo sur la ligne de temps et tu pourras sélectionner le chapitre que tu veux. Tu peux aussi descendre dans la description pour voir la table des matières. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la vidéo, les montres de sport n'auront plus de secret pour toi. Et je vais tout de même te donner quelques suggestions de modèles à la fin de la vidéo. Et tu vas voir, quand on parle de montres de sport, il y a beaucoup plus à parler que leur mode sportif. Donc finalement, je mettrai pas les clips que j'ai mis en anglais parce que je veux garder cette partie-là où est-ce qu'on me voit avec les montres. Puis avant ça, je parle d'aller cliquer ou d'aller voir dans la ligne de temps en bas. Puis je le fais en gestuel, fait que je veux le garder. Donc ça va rester comme ça. Ce qui va me rester à faire, ça va être d'aller recoller ça sur la version anglophone au même endroit où est-ce que j'avais ajouté des titres. Donc là, tu vois, je vais me déplacer. Je fais tout au clavier. Hein. Je me déplace le plus possible au clavier. Pas tout, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais tu vois, je viens de coller mon animation. Je me déplace avec les flèches. Je vais zoomer ici pour être sûr d'être bien aligné. Fait que tu vois, quand tu utilises la flèche du haut et du bas dans Final Cut, tu peux te déplacer vers chaque début de clip. Donc, tu vois, ici, je me déplace à là. Flèche du bas au prochain. Flèche du bas au prochain. Et voilà. Donc, je viens de recoller mes mêmes effets sonores. Et je vais aller le remettre aussi ici, comme j'ai fait sur l'autre. Je vais l'agrandir. En fait, je pourrais aller rechercher le même, parce que je l'ai ajusté. Je ne sais pas si tu te souviens. Je vais aller chercher les deux en même temps. Tiens, je peux même prendre le clip audio en même temps. On va retourner ici, et je vais le coller là, tout simplement. Ici, on est bon. Je veux qu'ils disparaissent par contre là. Tantôt, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai glissé en dessous. Comme ça, l'animation, elle se fait en dessous. J'aurais aussi pu
Tu vois, si j'enlève ça ici, là, on va la voir disparaître. Mais quand je la mets en dessous, comme ça lit toujours du clip le plus haut vers celui du plus bas. Donc là, quand tu en mets un par-dessus, l'autre en dessous disparaît naturellement. Ce que j'aurais pu aussi faire, c'est de le faire terminer en même temps. Sauf que là, il y a une animation qui s'en va, puis ça, je le veux pas. Donc là, ce que je peux faire pour l'éviter, c'est que ici, dans mes paramètres, l'animation out, je l'enlève. Ça donne exactement la même affaire. Il reste jusqu'au dernier clip et jusqu'au dernier frame. Et après ça, c'est l'autre qui commence. C'est juste deux façons de faire différentes. Là, il n'y a rien qui est mieux. Comme ça ici, j'avais pas. J'ai gardé le tout là. Pas d'animation là-dessus. Parfait. Je veux pas en avoir à la fin. Ça sert à rien parce que je veux dire, il y a une grosse coupure qui se fait d'un coup. Pac! Qui s'en va à l'autre comme ça. Donc ça, c'est. C'est parfait. Donc, en anglais et en français, le chapitre 0 est maintenant monté. Je vais pouvoir passer au chapitre suivant. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici dans. Ça, c'est là-dedans, ici. Donc, on a le chapitre 0 et on a le chapitre 0. Là, ce que je fais, c'est que je vais les exporter tout de suite. C'est comme une sauvegarde, si jamais il arrive de quoi. Tu vois, j'ai le. C'est dans mes brouillons. Je me suis fait la première partie, là, le layer 1. C'est mon pré-montage. Je vais m'en faire un au layer 2. C'est des affaires que je suis pas obligé de garder à la fin. Hein. Mais en ce moment, j'en veux un comme backup au cas où il arrive quelque chose de majeur. Là. Cette partie-là est montée. Si jamais il arrive quelque chose, je peux juste aller rechercher la vidéo puis la mettre dessus. Mais j'ai des backups. C'est pas. J'ai pas vraiment à m'inquiéter de ça. Puis tout est sauvegardé aussi dans Dropbox. Donc ça, c'est fait. Voilà, donc c'est en train de s'exporter. Et là, je vais pouvoir aller retravailler sur le chapitre 1. Là, tu vois, celui-là, j'avais vraiment, vraiment rien fait. Donc là, la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais aller redécouper un peu le tout pour faire mes animations out. Commençons avec le premier point de cette vidéo. Pourquoi acheter une montre de sport? Ma première raison personnelle, c'est parce que ça me donne le goût de bouger. Depuis le 1er janvier 2020, je... Bon, tu vois, ce que je te disais tantôt, je vais faire des animations de zoom out. Donc là, la première partie, elle, je peux la faire d'un coup. Je peux faire un zoom out parce que c'est le même plan. Donc ça, je vais la regrouper ensemble. Je fais option G, c'est ce que j'ai fait. C'est juste you. Je pense que c'est ça, option G. Voilà. Donc je fais juste ça, enter, ça me crée mon compound clip. Et ensuite on continue, on écoute ça rapidement. Sans exception. La future montre va pouvoir te suivre partout, et ce, peu importe le sport que tu fais. De la marche, de la course, du vélo, du hiking, du kayak, de la natation, du crossfit, musculation, du tapis roulant, de l'escalade ou même du pédalo, si tu veux. Ta montre doit être capable de monitorer la distance que tu parcours, le nombre de pas que tu fais, ton gain en élévation, tes pulsations cardiaques, ton nombre de respirations par minute, et j'en passe. Tu devrais pouvoir participer à des défis pour parcourir tant de distance ce mois-ci, ou un blitz intensif cette semaine, ou tu pourrais même t'en servir pour compétitionner avec ta famille, tes amis, pour savoir qui va aller plus loin ce mois-ci. Voir un cumulatif annuel de tout ce que tu fais, c'est aussi très gratifiant. Autre que pour le fun, c'est aussi d'acheter une montre pour performer ou voir des statistiques très poussées. La plupart des montres viennent Bon, ok, tu vois, fait que là j'avais commencé à celle-là, puis ça finit à celle-là. Ça, c'est un bloc où est-ce que je regarde juste la caméra. Donc, même principe, option G, enter. Voilà, je viens de me créer un bloc. Là, je parle devant. Je fais juste lire mon texte. Là, ça revient, je parle. Aussi comme un outil de navigation. On a aujourd'hui des mots. Ok, là, juste pour pas me mélanger. Je vais aller faire ces animations-là tout de suite. Tiens, on va monter dans le coin ici. Moi, je me suis fait dans PMA. Je me suis fait des animations ici. Normalement, ce que tu peux faire pour le faire, c'est. Ok, je te montre un petit truc. Tu peux venir dans le petit coin ici. C'est un Ken Burns. Puis là, tu t'ajustes la dimension que tu veux avoir. Donc là, comme le clip est petit, je veux que ça bouge très lentement. Puis j'aime toujours ça partir de l'intérieur, m'en aller vers l'extérieur plutôt que le contraire. Donc si je regarde ce que ça donne. De mon côté,
côté, je le vois aussi comme un... C'est super. C'est un clip de 3 secondes. Fait que, tu sais, que ce soit un petit mouvement. Sur les autres, ce que j'ai fait... Je vais juste mettre ça sur mute. OK. Tu vois, ici, on a un clip de 9 secondes. À 9 secondes. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré différents zooms et je les ai enregistrés comme presets qui sont ici. Tu vois, can burn, full, mini, petit, moyen. Donc là, tu vois, sur un 9 secondes, je vais aller mettre un petit. Mon animation est faite. J'ai juste double-cliqué dessus. Tu vois, il est en train de faire un zoom out. Puis l'autre était relativement long. C'était un 40 secondes. Sur celui-là, je vais mettre un full. Comme ça. Voilà. Fait que plutôt que d'aller sur le bouton, puis de tout placer ces affaires-là, je me suis créé des shortcuts que je fais juste coller dessus. Et là, voilà. J'ai mon zoom out. C'est génial. OK, on continue. On a entendu des montres avec une carte graphique. Ou pour t'aider à revenir là-bas. La navigation m'a sauvé la vie. Une fois, au train en automne, je me suis libéré du sentier. Et j'ai craqué beaucoup. L'autre fois. OK. J'ai un 16 secondes que... on va mettre ça en moyen, je pense. Je me suis égaré du sentier. C'est parfait. OK, ensuite de ça... Fait que là, je lis mon texte. Je parle devant la caméra et je parle devant la caméra. OK, donc les 4 derniers. Ouais. 4 derniers, 24 secondes, comme ça. On va y aller sur un moyen aussi, je crois. Je pourrais y aller vers un full, mais on va y aller vers un moyen. Et voilà. Voilà, j'ai mon animation. Donc, pour le reste... je vais retourner dans toutes mes banques d'images pour aller rechercher ce que j'ai besoin. Puis, excusez, puis ce qui me manque, je vais me mettre un bloc pour le filmer. Quand même très content de ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui. J'ai réussi à terminer. Excusez. Pas facile. Je devrais pas parler aujourd'hui. Je sais même plus ce que je veux dire. Désolé. Ouais, donc c'est pas fini parce qu'il reste des clips à faire, mais tu sais, regarde, c'est de ça que ça a l'air. J'ai réussi à me faire un... On va retourner sur celle en français. Ça va rester plus... je te parle en français, on va aller faire jouer celle en français. Qu'est-ce que j'ai fait un beau petit titre comme ça pour le début de mes chapitres. Premier point de cette vidéo. Pourquoi acheter une montre de sport? C'est cool, hein? Chapitre 1, le titre de la vidéo, et ce de quoi cette section de la vidéo-là va parler. Et ensuite, ça s'en va, puis il y a même les petits effets sonores dessus. Hein? Commençons avec le premier point de cette vidéo. Pourquoi acheter une montre de sport? Ma première raison personnelle, c'est parce que ça me donne le goût de bouger. Depuis le 1er janvier 2020, je fais une activité physique par jour et ce qui me motive à tous les jours, c'est que je suis fier de regarder mon calendrier Strava et de voir que je bouge vraiment à tous les jours. Donc tu vois, ça c'est des archives que j'ai été rechercher.
Celle-là, je l'ai enregistrée aujourd'hui. Ensuite de ça. Et ce, sans exception. Ta future montre va pouvoir te suivre partout, et ce, peu importe le sport que tu. Encore des archives que j'ai été chercher. Là, j'ai dû aller chercher tout plein d'archives pour faire fitter ça avec ce que je dis. Fait. De la marche, de la course, du vélo, du hiking, du kayak, de la natation, du crossfit, de la musculation, du tapis roulant. Là, j'avais pas d'exemple concret à aller mixer avec ça. Donc je l'ai fait devant la caméra. Les autres, je savais que j'allais devoir aller en chercher. Après ça, tu vois ici, il y a une autre section où est-ce que je dois parler. Là, je me suis fait ma note clip 001. Et si on regarde ici, là, celle-là, je vais pouvoir l'imprimer à la fin. Donc, tu vois, ça me dit ici d'aller filmer l'application Garmin Connect dans la section Training Plans avec une montre à côté comme décor, terminée sur la section marathon. Si on écoute la partie, là, on pourrait comprendre pourquoi il faut terminer avec la section marathon. Ça doit aller se glisser dans le chapitre 1 et ça doit faire une durée de 19 secondes. En fait, c'est que ça fait 11 secondes. Ce clip-là doit faire 11 secondes et 26 frames. Ça, c'est pas 11 minutes 26. La façon que ça se lit là, sur une plateforme de montage, c'est 11 secondes et 26 images. Et à côté, ça dit que c'est 2 minutes 44 secondes et 15 images. Ensuite de ça, tu vois, j'ai été poursuivre avec des bouts que j'ai enregistrés avec des tutoriels. Je suis retourné dans mes archives et je suis retourné dans mes archives et c'est ce qui fait. C'est ce qui fait pas mal le tour pour ce clip-là. Donc là, j'ai pu réutiliser les mêmes images en français et en anglais. Donc il me reste juste le clip 001 à tourner. Ce que je vais faire une fois que je vais avoir fait le montage de tous les points, je vais pouvoir revenir et les glisser. Ça devrait être quand même assez rapide. Maintenant, 21h15, je vais aller prendre ma marche et je vais refaire. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, là, quelques jours. J'avais été prendre une marche, puis mon Mac avait fermé l'image, alors je n'avais pas pu terminer l'enregistrement. Alors je vais le refaire. Je vais le refaire. C'est justement un des clips que je vais avoir de besoin. Comme il va être déjà tourné, je n'aurai pas besoin de faire un clip, je vais pouvoir les glisser dedans directement. Voilà. Donc, c'est parti. On s'en va à marcher. C'est pas parfait encore. Mais c'est de ma faute. Celle-là, c'est de ma faute. L'écran, c'est pas fermé. Mais je l'ai mal cadré. En fait, je l'ai pas cadré. Je voulais tester en même temps, voir si ça allait suivre, si je sortais de la carte. Ça arrive pas. Moi, je vais le refaire. Ben là, au moins, je vais avoir eu mon trajet qui va s'être comme rempli là. Il manque juste la partie là, qui est quand même. Je pense que ça va être plus intéressant si on a le trajet au complet puis qu'on voit la ligne se dessiner. Faut juste que je remarche. Je fais ça régulièrement. C'est pas vraiment le carré. Hey! Ça fait le tour. Excuse-moi. Ça va bientôt mieux aller. Ben, ça fait le tour pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!